Papa! Merci. Je te remercie pour avoir voulu être mon père. Seb, je te demande qu'une chose. Prends soin de ma fille et rends-la heureuse. Je promets que je le ferai, monsieur Ismaël. Et une autre chose. Appelle-nous, Laura et moi, papa et maman. Tu es notre fils maintenant. Ok, d'accord. Papa. Papa, merci de m'accueillir dans la famille. Je te promets de protéger toute la famille. Je te le promets. Au revoir, papa. Maman ? Ma fille, tu sais quoi? Quand j'étais toute petite, j'étais expiègle. J'étais obstinée. Mais je peux me rappeler que papa n'a jamais cessé d'essayer de me comprendre et de m'aimer. Grand-père est très gentil, donc tu dois arrêter de pleurer. Mon professeur a dit que tous les hommes gentils iront au paradis. Il sera heureux là-bas. Mais chérie, maman va penser à ton grand-père. Il me manquera beaucoup. Je suis à tes côtés. Nous n'avons toutes les deux plus de papa. Sarah, chérie, laisse-moi prendre soin de Becca. Tu pourras te reposer. Viens par là, Becca. Viens voir grand-mère. Prends soin d'Anna. Sarah. Papa n'est plus là, Kara. Oui, mais... nous devons être fortes. Pour maman. Elle a besoin de nous. Kara, mais je pense que ce n'est pas juste. Réfléchis-y. Tous les hommes dans ma vie sont partis. Papa était le seul qui restait et maintenant, il nous a quittés. Tu sais, nous aimons toutes papa. Nous ne pouvons peut-être pas comprendre pourquoi. Pourquoi on nous l'a arraché, mais je sais qu'il y a une raison pour ça. Tu te souviens quand nous étions petites et que tu n'étais pas là? J'ai participé à un concours de beauté, mais j'ai échoué au concours. Et puis j'ai pleuré à chaudes larmes. Tu sais quoi? Papa m'a vu et m'a acheté une couronne. Il m'a fait me sentir comme si j'étais la gagnante. N'oublie jamais que papa t'aime tellement. Je me souviens encore du jour où papa Antonio est venu m'emmener. Je me souviens comment papa était. Il me serrait par les mains. Il pleurait sans cesse et ne voulait pas me laisser aller. Je n'aurais jamais cru que ça se passerait encore une fois. Pour la deuxième fois. Je dois le laisser aller comme ça. Ça me rend vraiment triste. Je suis vraiment triste. Tu t'inquiètes pour Sarah? Oui, c'est ça. Quand je l'ai vue partir ce matin, ses yeux étaient tout rouges. Elle est partie le cœur serré. Elle ne peut pas encore l'accepter. Banjo. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Sarah est une femme forte. Elle va se relever. Elle a connu tant de choses. Mais c'est différent cette fois-ci. Elle a perdu son père cette fois. Oui, je sais que Sarah est forte, mais je sais aussi qu'au fond de son cœur, elle est en fait très sensible. Elle est fragile, surtout dans une situation pareille. Mais tu vois, Banjo, même si nous nous inquiétons pour elle, il n'y a rien qu'on puisse faire. Oui, je le sais bien. Ce que je veux vraiment, dans une situation pareille, est d'être auprès d'elle et la soutenir. Tiens, tu peux utiliser mon mouchoir. Est-ce que tu pleures pour grand-père? Oui, tu ne devrais pas faire pareil. Je suis aussi triste que toi, mais je ne pleurerai pas, parce que je sais que grand-père sera heureux au ciel. Tu peux dire ça parce que tu n'étais jamais avec lui. J'aime aussi grand-père. Toi et moi sommes pareils. Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu as fait sa connaissance il y a peu. T'es une menteuse. Je te dis la vérité. Pourquoi tu ne pars pas? Je suis la seule à pouvoir rester. Je suis sa seule petite fille. La famille du défunt, approchez-vous pour laisser votre message d'adieu. Au revoir Ismaël, merci de m'avoir comprise, pour avoir pris soin de moi et surtout pour m'avoir aimée. Depuis le tout début, tu ne m'as jamais quittée, tu prenais toujours soin de moi. Je ne t'oublierai jamais mon amour, je t'aime tellement. Papa, je suis désolée pour toi. Je sais que je n'étais pas une fille parfaite, mais tu m'aimais quand même. Si seulement je pouvais remonter dans le temps, je racheterais toutes mes fautes. Même si c'était la dernière fois, je voudrais te faire savoir combien je t'aime et combien je te suis reconnaissante d'être ta fille. Papa, je te promets d'être une bonne mère. Je serai une maman responsable pour Becca, juste comme toi qui était mon père parfait. Papa, où que tu sois maintenant, j'espère que tu es heureux et repose en paix. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour nous avoir élevés et pour tout ce que tu nous as donné. Je te dois ma vie, papa. J'espère que tu veilleras sur nous, surtout sur maman. Je t'aime tellement, papa. hanggang wakas. Que les enfants aient dormir. Je suis sûre qu'elles sont fatiguées. Ok, je vais m'occuper d'elles. Andy, tu peux apporter de l'eau, s'il te plaît? Maman, tu dois aussi te reposer un peu. Ta fille a raison, Laura. Tu dois te reposer maintenant. Tu n'as pas vraiment dormi ces derniers jours. Non. Je ne veux pas rester dans notre chambre. Ça me rappellera le fait qu'il m'a quittée. Si tu veux, tu pourras rester dans ma chambre. Je vais t'accompagner, maman. Pas la peine, Kara. Je ne veux pas que ma dépression t'affecte. Maman, est-ce que tu sais ce qui est plus triste que d'être triste ? C'est d'être triste et d'être seule. Tu te sentiras mieux s'il y a quelqu'un auprès de toi qui puisse te parler et qui puisse t'aider à te le traverser. Sarah, est-ce que tu as connu ça quand tu étais au Japon? Ouais. Je vais très bien, mes filles. Merci. Merci, mais je vais bien. Je vais traverser ça moi-même. Maman, n'oublie jamais que moi et Sarah, nous sommes toujours là pour toi. Nous avons promis à papa de prendre soin de toi. Salut mon fils. Salut maman. Oh, merci. Hé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas prendre des vacances? Ou est-ce que tu iras? Je veux y aller avec toi. Maman, je corrige mes documents maintenant parce que je vais rentrer aux Philippines. Mais tu mènes une vie heureuse ici. Tu as réussi. Tu as ton entreprise. Et tu es riche maintenant. Pourquoi tu veux y retourner? Parce que je suis plus heureux ici. Tu sais très bien ce que je n'aime pas, ce que je fais ici, maman. Edouard, ça fait déjà 6 ans. Est-ce que c'est toujours ton problème? Quand est-ce que tu pourras accepter que tu ne réussiras jamais dans un groupe musical? Maman, ce n'est pas mon groupe musical dont je parle. Il s'agit de ma vie. C'est pas la vie dont j'ai rêvé. Je veux la liberté. Je veux quelque chose pour lequel j'ai travaillé, mais pas quelque chose que tu m'as donné, par pitié. Je suis ta mère. Je t'aide seulement à t'apercevoir de ce qui est correct pour ta vie. Peut-être que tu as tort, maman. Je te laisse faire ce que tu veux. Je te laisse diriger ma vie depuis plusieurs années. Peut-être qu'il est temps de voler de mes propres ailes. Je suis désolé, maman. J'ai déjà pris ma décision. Je vais rentrer aux Philippines, que tu le veuilles ou non. Tu es là depuis quand? Alex. Oh. Tu as besoin de quelque chose? Je suis seulement curieuse. Pourquoi tu es partie pendant le dîner? Je suis partie prier pour papa. Tu l'aimais vraiment, n'est-ce pas? Bien sûr. Après tout, il est le père que je n'ai jamais eu. C'était un homme bien. Depuis que Kara et moi sommes en couple, il ne m'a jamais rien fait de mal. Tu as raison, Seb. Monsieur Ismaël était gentil. Comment va, maman? Elle s'est endormie maintenant. Je vais lui tenir compagnie. C'est très bien, tu prends soin d'elle. Sarah, tu ne peux pas rester ici pour un moment? La maison est assez grande. Toi et Becca pouvaient rester ici si tu veux. C'est pour maman. Cela l'aidera à aller mieux si nous sommes toutes les deux à ses côtés. Ok. Je vais rester pour maman. Je dois d'abord prendre des affaires. Merci. Mais je ne resterai pas pour toujours. Quand maman se sentira mieux, nous rentrons à notre maison. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à prendre soin de maman. Ça ira. Si c'est ta décision, il n'y aura aucun problème avec moi. Mais Sarah, j'espère que tu pourras y réfléchir. À un moment pareil, nous avons besoin de quelqu'un auprès de nous. Nous devons être ensemble. Ce qui est important pour moi maintenant, c'est de rendre justice à sa mort. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que le coupable qui l'ait tué paie. Alex, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis seulement un peu choquée. C'est la première fois que je t'entends parler comme ça. Il me semble que tu es déterminée à le venger. Quand papa et maman sont morts, tu as tout fait pour leur rendre justice. C'est ce que je fais maintenant. Il est le père de ma femme. Il est donc aussi mon père. Alex, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent avant qu'il meure? Mais Seb, pourquoi tu me poses cette question? Eh bien, je pensais seulement que tu savais quelque chose peut-être. Non. Non, j'ai rien remarqué. D'accord, je vais rentrer. Comment oses-tu, Kara? Je croyais que tu étais la seule qui avait volé mon frère. J'ai eu tort. C'est toute ta famille. Seb les aime. Plus qu'ils ne m'aiment maintenant. Si c'est le cas, Seb ne doit jamais savoir la vérité. Je suis sûre qu'il m'enverrait en prison. Et il ne me pardonnerait jamais. Bonjour à vous, madame. Bonjour à vous. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'assassin de mon mari? Nous n'en avons pas encore, mais nous sommes là pour vous informer du déroulement de l'enquête. Oh, merci beaucoup, monsieur. Continuez. Quel est le résultat de votre enquête, alors? Dites-moi. L'équipe d'enquête a publié leur rapport préliminaire. Le rapport montre que ce qui est arrivé à votre mari n'a pas l'air d'être un pillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de traces de sang qui ont été trouvées dans son véhicule. En plus du coup de feu à sa tête, on a aussi tiré sur son dos. Ses blessures ne sont pas conformes à sa posture quand il a été trouvé dans le véhicule. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que papa n'a pas été blessé dans son véhicule, c'est ça? Oui, vous avez raison. Il a été emmené dans son véhicule. Ce n'est pas un cas simple. Il est possible que le pillage ne soit pas le motif.